Kevin. Un coup en 3-4 cm, plus gros, donc plus long. Un super noir avec un verre ou le foncé. Aller plus haut. Ça sera le stand qu'on a appelé Foxtrot. Foxtrot, TRC de Renard en Paillis. On dit Francis Moreau de la Boucherie Charcuterie Moreau, deux médailles d'or du saucisson dans votre région. Hein, on a envie de participer un petit peu à cette fameuse kermesse de mes trucs. Voilà, je t'avais prévenu, Serge. Hein. Elle est en thalasso, je te l'ai dit. Hein. Donc, le poids de ma sœur et le poids du panier garnier, pour conclure. Et je dirais, vive l'équipe de France. Allez, on continue avec Lucette. Madame Champollo, qu'est-ce qu'il approche? Allez, voilà. Il y en a un des deux qui grimpe là-haut, là, les footballeurs. Allez, hop. Tiens, Madame Champollo. Allez, bah, je vais prendre un petit peu d'avance pour vous dire quand même que Madame Champollo nous vient de la maison de retraite de la Providence. Ah. J'ai la chance de travailler depuis 3 ans. Avec Madame Champollo, il se trouve là-bas dans l'entrée du jardin. Je vous expliquerai la règle du jeu tout à l'heure, c'est un petit peu compliqué. Donc, Lucette Champollo, tiens, allez, venez vous mettre là. Venez là, Lucette. Voilà, on continue, on met la musique. Allez, on continue. Après, je regarde le stand de Monsieur de Montassé. C'est ma première participation du presbytère. Hein. Je suis un peu le châtelain du village. Voilà. Je vous ai préparé un joli petit stand, un joli petit chamboule-tout. C'est un petit peu plus... Enfin, je vous expliquerai, ça va plus loin que ça. Le stand, alors, on a presque fini le tour du propriétaire. Hein. Attention, c'est un miroir. Elle a failli ne pas être avec nous cette année parce qu'elle reprend, si c'était moi une, oui. Parce qu'elle reprend donc son petit travail à faire les bonbons au miel. Je ne dis rien, hein, je crois que c'est des histoires de miracles. Si le petit Gégé est avec nous, je voudrais simplement dire que je demande simplement à quelques personnes participantes, sachant que tout le monde sera gagnant, les 5 personnes que je ferai cotiser m'aideront à participer à mon voyage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, c'est on termine. Allez, Georges se présente quand même si les animaux sont pas là. Allez, c'est 5 ans, plus cher. Oui, on discute de ça. Allez, on va pas. Jo qui vient. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la méchante boulot, elle a marché. Débranché. Faut pas marcher sur le champ. C'est du matériel fragile, hein. Du bouillé. Alors, je disais, avec Jo, on a passé du temps, il y a quelques années, à réaliser ce petit manège qui est au centre. C'est un magnifique manège d'animaux empaillés. Moi, j'étais ancien menuisier, j'avais réalisé tous les accessoires en bois, les petites charrettes et les selles et tout le Bataclan. On a eu un petit problème de livraison avec le TNT, là, le gars qui doit livrer. Il faut gagner des jetons rouges, disons, le droit d'aller faire un tour de manège quand même. Avec... Allez, Monsieur Chon est là. Monsieur Chon, figure locale, qui va ce soir faire. Alors, c'est la première fois qu'il le fait. Il a inventé un jeu hier. Et il avait envie de le proposer pendant cette kermesse. Ça s'appelle tirer la queue de l'âne. Voilà. Alors, on a fait son premier conflit. On ne sait pas si ça marche. Voilà. Allez, c'est qu'il faut lever la queue de cheval. Voilà. On appelle la queue de l'âne. Voilà. Je ne le présenterai pas parce qu'il a oublié les disques.
Il a oublié les disques. On va faire une kermesse avec un disque. Heureusement qu'il y a deux fois. Voilà, vous avez vu. Allez, les photos. Bon ben allez, c'est parti. On met la musique plus fort. Tout le monde dans les stands. C'est pour vous. Il y a vraiment de la qualité. Hein? Général, il vous envoie soit région parisienne, soit à Touillon. Moi, ils m'ont mis à Touillon. Des cours de français. Au final, hein, bon, je vous passe les détails. Je me suis installée un petit atelier dans les combles du grenier, hein, avec la photo de ma classe en rang, comme ça, je vois la classe. Et je lance des cahiers. Ça me soulage. Forcément, ici, il y a forcément un enfant qui ressemble à Thibaut. Donc, trois chances, c'est le cri libérateur. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je vais raconter un petit peu l'histoire. Il faut dire que c'est assez fort. C'est tout dans le cri. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, Thibaut! Ouais, pas mal. Attends. Une hernie. Allez, refais-la bien, dernière. Les trois personnes qui sont autour de Thibaut. Rien. Quand on triche, on ne se vante pas. Hein? J'ai bien vu votre petit jeu avec Nicolas. Donc là, on enfonce là, comme au manège. Alors doucement. Vas-y, doucement. Voilà. Alors là, plus simple, on obtient tout le total d'un coup. Hein. Retire-toi, Marion. Retire-toi. Pesée traditionnelle, on y va. Donc on a les bras comme ça. Et là, et voilà, voilà. Marion, laisse-toi faire. Voilà. Et là, on bascule. Voilà. On bascule. Voilà. Masse Titanic. Il n'y a pas de trucage. Voilà. Voilà. On va mettre du riz, on va mettre un kilo. Là, ça, c'est des invisibles, c'est 500 grammes. Des quenelles, c'est 400 grammes. Le café plein. Alors, c'est parti pour les mises, mesdames. 92, 600. Les gains de ce stand sont reversés à l'amicale de l'utilité. Bon, je suis la vice-présidente. Des petits chats. On va pas à l'école. Voilà à peu près comment ça marche normalement. Ce serait mentir de me dire ça, parce que j'aime bien faire la bamboulade de temps en temps, hein, moi aussi, ça fait du bien. Mais alors, je voudrais que ce petit moment qu'on passe tous ensemble, eh bien, soit un moment un petit peu particulier, hein, par rapport à ce que vous pouvez vivre ailleurs, c'est-à-dire que tous ensemble, c'est difficile. Comme je le disais, ça n'est pas parce que 5 personnes sont là assises et que vous êtes là debout, mes pauvres amis. Hein, on est tous frères, on est tous ensemble. On apparaît à Sainte Vierge. J'ai jamais vu ça. Madame Champollo, est-ce que quelqu'un l'a vu? Madame Champollo, c'est quel voisin? Champollo! Vous êtes le nom des médecins?